Vous savez quoi? On va swap sur la chasseuse. On va faire deux games en une vidéo. Mais si c'est pas magnifique. Je vous gâte. Hein. Je pense que je vous gâte. Je vous gâte trop. Je fais une vidéo par an. Je pense que c'est beaucoup trop. Faudrait que je me calme. On va faire une chasseuse. Petite chasseuse. On va lui mettre des petits accessoires pas piqués des hannetons en mode. Moi j'aime beaucoup ça. J'aime plutôt beaucoup ça. Hop. Il faut encore que je chase les gens pendant 1000 ans. Et puis voilà, donc on a un chili barbecue comme l'autre. Voilà, c'est vraiment dans une recherche de points de sang pour faire évoluer les personnages. Hein. C'est pas tout ça, mais j'ai mis en prestige 2 Ghostface et le bourreau. Il me faut du sang. J'ai passé tout le monde prestige 1. Ben voilà, il me faut un max de sang. Et je trouve que j'ai progressé avec la chasseuse. J'ai quand même assez progressé. Avant, j'étais vraiment une catastrophe. Maintenant, c'est quand même beaucoup moins une catastrophe. Après, si ça se trouve, je vais me faire rincer, encore une fois. Je suis contre des joueurs qui sont complètement sur console. Si ça se trouve, ils vont mettre des moves dans la tête, je vais rien comprendre. Mais bon, on va essayer. Let's go. En fait, je pense que la chasseuse, ça demande beaucoup d'expérience. Certaines connaissances aussi. Mais si vous voulez être efficace, soit vous avez un don inné, soit ou un don d'apprentissage, hein, ça marche aussi. Vous apprenez très vite comment ça marche. Et on va dire qu'il faut quand même beaucoup d'expérience. Et notamment, ce que je me suis rendu compte dernièrement, c'est que la hitbox de la hache, enfin la hitbox des survivants, pour ce qui est de toucher la hache, est plus généreuse que visuellement. Et on peut utiliser ça pour toucher des gens qui essaient de loop, par exemple au niveau de la cabane du tueur. Quand il passe le pas de la porte, si vous avez un tir complètement chargé, en fonction de la hitbox, ça peut vraiment faire des ravages. Enfin bref, on va essayer. Un autre quadra kill, ce serait agréable. Très agréable pour une vidéo YouTube, où on présente du tryhard en tueur. Hein. Aucune forme de pitié, notre but est de tuer tout le monde, tout simplement. Tout simplement. S'ils sont organisés et compétents, il n'y a pas de raison qu'ils ne survivent pas. Hein. On peut toujours être meilleur, il faut toujours garder ça à l'esprit. On peut toujours s'améliorer. Et s'ils se font rétamer, ils ont qu'à être meilleurs. Si je me fais rétamer, je n'ai qu'à être meilleur. C'est comme ça. C'est comme ça. Allez, lançons des hachettes. Ouh, sur cette map en plus, j'aime bien. J'aime bien cette map. 2 étages, c'est parti. Avec surveillance. Le bruit occasionné par les moteurs est supérieur de 8 mètres, et sur cette map, ça peut vraiment être très bien. Alors, où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes les petits êtres vivants? Ah, on a quelqu'un ici, par exemple. Salut. Oh, ça c'est... c'est pas très bien joué de ma part. Allez! Allez! Allez, c'est parti! Allez, cours! Cours, fais des trucs! Bon, t'as essayé. Un point pour l'effort. Pitié, ne rage-quitte pas. Oh, oh, oh. Ok. Bon, la première hachette était dégueu, mais... Hein? Quoi? Ah. Salut! Vous pensez pouvoir rusher? Oh non. Ok. Je peux le faire. Je l'ai fait. Oh non. Mais il est passé où l'autre? Il est là. Il va se barrer. Non. Mais tu fais quoi? Mais... What is you doing? Ok, une palette gratuite. Très bien. J'ai pas tout compris, mais... On prend. On prend cette palette. Qu'est-ce que tu veux?
T'as pas le timing, bro. Allez, on met la palette. Où est-ce que je peux l'emmener en haut? Est-ce que je vais avoir le temps? Je vais avoir le temps. Ah, j'ai pas eu le temps. Oh non. Tout ceci est très. Et oui, je savais que vous étiez là. Oh, attendez! Oh non, elle. Mais la palette! Mon vélo! Bon, elle est en train de réparer en haut, je le sais. Je le sais très bien. Mais il faut que j'accroche ce mec. Bon, tu sais quoi, je vais te laisser par terre. Voilà. on va se jouer comme ça du coup. Ah, ils sont vénères, hein. Ils sont. En tout cas, ils semblent déterminés, on peut pas leur reprocher ça. On peut pas leur reprocher d'être déterminés. Ok. Il y en a une dans la cave, il y en a deux là-bas qui vont essayer de se soigner. Et l'autre qui a réparé un moteur, c'est pas très grave. Bah salut toi, ça va? Il pleut de survivants. Classique. Tu vois, rien que ce move avec la palette, il est très classique, mais avant je savais pas du tout le faire. Aujourd'hui, c'est quand même bien plus. Ça marche mieux. Non, mais. Non, mais YouTube. Pensez à YouTube, les gars. Allez, il y en a un qui est indéfectible, s'il vous plaît. Après, ça peut faire une troisième game. Hein. Ça peut faire une troisième game. Plus de contenu pour YouTube. Non, mais. Allez, c'est pas marrant sinon. Attendez, tenez bon. Tenez bon. Je vous donne une petite chance. Et pour le coup, c'est pas pour me la péter, hein. C'est vraiment pour leur donner une chance. Parce que sinon, la game est trop nulle. Ils vont juste tous mourir comme des cacas, hein. Allez, je te laisse les sauver. Enfin, sauver ceux que tu peux. Moi, je vais me recharger en achète. Bon, l'autre, elle va mourir, hein. C'est malheureux. Allez, je vous laisse vous relever, je vous laisse vous soigner, je vous laisse. Je vous laisse une minute ou deux. Je vais aller dans la cave. Non, c'est vraiment pour leur laisser une chance, parce que là, c'est n'importe quoi. C'est pas intéressant. Allez, on attend un peu. On attend un petit peu, voilà, on leur laisse une chance. On leur laisse une petite avance. Après, ce temps que je leur donne, voilà, ils l'utilisent comme ils veulent. Hein. Là, ils ont décidé de réparer les moteurs plutôt que se soigner. C'est leur choix. Hein. Moi, je... Dans quelques instants, je vais ressortir. Si je les remets tous à terre, bah, ils vont tous mourir, c'est tout. Hein. C'est à eux d'utiliser leur temps de manière appropriée. Allez. Je leur ai laissé un peu de temps. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, on y va, on y retourne. Voilà, ils ont pu se soigner, là ça répare. C'est moi le méchant! Alors, bah, la cave c'est le plus proche. Ça consommera pas de crochet si elle meurt. Alors ils sont où? Oh, pff, ils sont à l'autre bout du monde. Et ils sont, en fait, ils sont complètement désorganisés. C'est ça leur problème. Ils sont full désorganisés.
C'est moi le méchant. Alors, mais t'es sérieux, mec? Oh là là, mais... Les gars, je vous donne une seconde chance, je vous donne une minute trente pour vous... AFK dans la cave pour vous mettre dans le truc. Et vous faites ça. Mais le gars, mon vélo. Non, il y aura pas de troisième chance. Hein. Il y aura pas de troisième chance. Bon, on va pas slug. On va juste accrocher ce mec. Et aller pourchasser Nea Carlson. Alors, où est-ce qu'elle est partie, Nea Carlson? Est-ce qu'elle essaierait pas de se soigner dans le coin? Si elle essaie de se soigner... Ah, l'autre, il va abandonner. Je vois pas de traces de sang. Si elle se trouve, elle est remontée à l'étage, mais ce qui serait un peu curieux. Oh, 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 je l'entends. Elle est juste là. Bon, passons à une autre game. Je pense que c'est un des problèmes de ce nouveau système pour les rangs. Ça a l'air un peu déséquilibré. Parce que bon, je me considère comme bon tueur, pas forcément bonne chasseuse, même si j'ai fait des progrès. Mais là, c'était un no match. C'était complètement un no match. Ils étaient ronds combien, juste pour savoir. Ah, il y avait un irisé, deux gold et un silver. Ouais, c'est pas ouf. Tapis l'irisé qui s'est fait dégommer. C'est des joueurs console, je sais pas. Bah, dans tous les cas, cette game n'est pas représentative. On va en lancer une. C'est pas une vraie game. C'était la game d'entracte, quoi. C'était l'apéritif, quoi. Entre l'entrée et le plat de résistance, on prend un petit apéro, voilà. C'est normal, quoi. Petit apéritif. On va lancer directement avec la chasseuse. Avec le même stuff. Même si je vais plus avoir de tête souillée. Qui va me donner de l'estropiement et de l'hémorragie. Ce qui synergise assez bien avec chien de sang. Au niveau de l'hémorragie. Afin de mieux les repérer dans l'espace. C'est assez efficace. Et on va espérer une game un peu plus équilibrée. Alors, le laboratoire, la map qui va disparaître en novembre. Profitons-en. Une map... En vrai que j'aime bien, je la trouve bien. Pour la chasseuse, c'est bien. Parce qu'il y a pas mal de couloirs. Et les couloirs, ça avantage la chasseuse quand même. Ok, ils sont là. Ils sont là, il y en a au moins un là. Voire plus. Voyons de quoi il retourne. Qu'est-ce qui se passe? Très bien. Hein? Mais t'es pas tombé? Wouhou! Bah alors? Oh! Je savais pas que le trou était aussi. Aussi juste à côté. Par contre, maintenant elle saigne, on va pouvoir la pister à travers les souterrains. Comme c'est excitant! Elle me fait perdre du temps. Oh. Ok. Bah, tout ça pour ça, quoi. Trois moteurs pour une chaise. Ils sont en train d'entamer les derniers moteurs. Je suis en train de me faire rincer. C'est un petit rinçage qui est proposé. En espérant que les autres soient pas aussi doués. Pour éventuellement tenter quelque chose. Oh là là. Quel enfer. Ah mais où sont les casiers? Au secours!
c'est le début de la dégringolade pour eux. Du coup, j'en rechope un. J'ai plus de hachette. Bon. Écoutez. Si nous sommes dans une optique tryhard, il ne va pas falloir avoir de pitié pour les croissants. Ah, la dédarde. Ah non, mais... ils sont forts, hein, ils sont forts. Ils ont complètement rushé la map. Et l'autre, elle m'a occupé toute la vie. Oh là là. Quoi? Il a quand même pu passer, t'es sérieux? Non mais ça compte pas, on va relancer une autre. On va faire des games à l'infini toute la vie. Ah non, je me suis fait rincer. Bien joué à eux. Bien joué à Kate qui m'a occupé pendant 1000 ans et demi. Ils ont géré. Non mais quand je vous dis, hein, le matchmaking c'est... C'est tout ou rien, hein. Soit c'est des no-match dans les deux sens du terme. Non ! Ah, nice. Au moins j'en aurai un. C'est pas très beau jeu, mais bon. Et j'en aurais même deux. Mais pourquoi vous faites ça? Non mais en même temps ils font les kékés quoi. Les mecs ils ont gagné, ils m'ont... Les mecs ils m'ont complètement no match. Et derrière ils font les kékés. Bon bah voilà, vous faites les kékés, vous tombez dans l'escalier au bout d'un moment. Hein. Bah oui. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi t'as fait ça? Non, non. Il y a une certaine forme de courtoisie à adopter aussi. Bon, allez, c'était pas une vraie game, on en relance une. Non, à la fin, ils ont fait les kékés, voilà. Vous faites les kékés au bout d'un moment, hein. Bon, ça suffit, hein. Faut avoir un peu de politesse, un peu de respect. Rang 1, irisé 1, bronze. C'était qui la Kate? La Kate, elle avait des dardes. Ah, c'était elle. C'était la dédarde. C'était la rang 1. Bah écoute, j'ai... Les autres, ils étaient... Je pense pas qu'ils étaient aussi doués. Et visiblement non. Mais en fait, j'ai eu l'extrême malchance de tomber dès le début sur elle. Et de... d'avoir touché ma hache, mais par un miracle. Genre, c'était vraiment la hache que... dans la salle de... du portail, là... Le fait d'avoir touché ma hache, c'était limite un miracle. Et ensuite, j'ai tunnel vision sur elle, mais... parce que je... Voilà, je voulais mon crochet et puis passer à autre chose. J'ai vraiment pas eu de chance de tomber sur le rang 1 qui a maîtrisé le truc de A à Z, quoi. Elle a juste maîtrisé de A à Z. Gros respect. Gros respect. Je n'avais qu'à être meilleur, comme j'ai dit avant. Ou tout simplement, j'aurais dû abandonner la chase quand j'ai vu que ça prenait trop de temps. Vous avez un parfait exemple de « il faut savoir choisir ses chases ». Même si à la fin, ils ont fait n'importe quoi, j'ai quand même eu 2 kills, mais absolument pas mérité. Hein. Ces 2 kills, j'étais pas censé les avoir, donc pour moi, c'est pas mérité. Voilà, j'ai surtout eu la malchance de tomber direct sur le rang 1 qui m'a promené. Quoi. Il m'a tenu en laisse et il m'a promené comme un petit chien. Espérons un peu plus de réussite, sans parler de chance ou d'équilibrage de la part du jeu. Parlons de réussite. Allez, l'hôpital. Ça va. Je pense que c'est ok. Il y a beaucoup de... Il y a énormément de fenêtres sur cette map. Et en vrai, la chasseuse, quand elle est en chase, pour les fenêtres,
C'est plutôt pas mal. Alors, à gauche. Il se passe rien. Ah, c'est par là que ça se passe, au milieu de la map. Coucou. Oh, vous êtes deux. Comme c'est charmant. T'as voulu me faire le coup de la sous-préfète, c'est ça? Oh, l'agent styptique. Styptique. Bravo pour cette agence styptique. Mais malheureusement... Malheureusement... Ah, mais t'as envie de survivre, toi, dis donc. J'apprécie. J'admire ta détermination. Et pendant ce temps, ils ont fait un moteur. C'est génial. Bon. Elle m'a pas autant promené que l'autre. Ils ont juste pu faire un moteur. Avec ce hook, on va pouvoir mettre un peu de pression. Ah, mais vous êtes deux. Mais vous êtes trois. Et tout le monde est là. Mais c'est merveilleux. Ça vous dit, on fait... Ça vous dit, on fait une petite sauterie. On fait une petite sauterie dans la cave. C'était bien utile, votre truc. Il y a une porte, là. Ne pas grid. Ils vont retourner là-bas pour la soigner. Effectivement. Putain, à deux. Mais ils sont organisés. Ok. C'est toi que je veux. Voilà. On va t'accrocher dans la cave. Les autres ne sont pas là pour t'aider. Un chaos a été installé. L'entrée de la cave est où? L'entrée de la cave est ici. Nous allons donc te mettre dans cette cave pendant que les autres sont en train de se soigner. Voilà. Ils sont où? Ils sont proches. Ils sont restés dans le coin. Nous allons prendre des hachettes. Prenons des hachettes, faisons un stock tant qu'on en a l'occasion. Elles nous seront utiles. On va casser ça, mettre la surveillance dessus. Les autres, ils vont très vite revenir. Les autres, ah bah, ils sont juste là. Oh, oh la vache. Oui, j'ai encore des progrès à faire. Ok. Oh, bien joué. Ouais, ils sont pas mal, hein. Ils sont pas mal. Mécaniquement, bon, en prise de décision, je sais pas, mais mécaniquement, il y a du niveau, il y a du niveau. Il y a un peu de level. Là. Tu me fais perdre du temps, toi. Ah ah! T'as cru que j'allais lever ma hache? J'ai levé une autre hache, beaucoup plus grosse. Bon, ils sont où? Ok. L'autre, elle était pas en train de faire un moteur, donc ça met pas trop de pression. En revanche, elle est partie à droite. Juste ici. Un hit et une palette, c'est très bien. Elle est partie à nulle part. Ah, ok, il y avait une palette ici.
On rentre le bétail dans la bergerie. L'autre... C'est l'autre qui allait la sauver? Je vois personne dans le coin. Toi, tu vas venir manger ton coup de hache. L'autre s'est fait sauver instant. On campe pas, on tunnelle pas. On la joue proprement. Pour l'instant, il répare pas trop. Ce qui est totalement à mon avantage. Oh, le burst. Le sprint. Cette palette. Oh. Intéressant. Ok, t'es reparti par là du coup. Alors, quelle est la prochaine étape? Oh, ça c'est pas de chance. Tu as été ralenti. Oh, elle est où elle? Je l'avais même pas vu. Mais non, fais pas ça. Qu'est-ce qui se passe? C'est un véritable merdier. Hop là, vous voyez la hitbox? La hitbox est légèrement plus en arrière en fait. C'est comme ça que j'ai pu la toucher. Ok, il y en a une qui se soigne juste là. Ils prennent beaucoup de temps et d'énergie à s'entraider. Et du coup, il n'y a personne qui répare. Hop. L'autre, je sais qu'elle va essayer de venir l'aider, ce qui est une action aussi héroïque que stupide. Ah non. Peut-être que je n'ai... Peut-être commencer à casser les palettes. Ça peut être intéressant. Elle joue pas trop mal, mais ouais, elle fait beaucoup de bruit. Et elle a des déplacements plutôt prévisibles. Ah, dommage. Elle a anticipé. Voilà. Anticiper l'anticipation. Double anticipation. Ils se sont mis full life. C'est bien. C'est vraiment très bien. Bravo. Mais vous retardez l'inévitable. Ah, la hitbox, ça pardonne pas. La hitbox ne pardonne vraiment pas. Oh! Bah alors? Il y a un problème dans le... dans le pathfinding, là. Faut pas retourner en arrière. Alors, ils sont les deux en train de se soigner là-bas. Je vois toujours personne qui est en train de réparer. Donc, je vais les avoir à l'usure. Hein. Genre tellement. Je vais tellement les épuiser. Leur mode de jeu n'est pas viable, malheureusement. Ils sont full entraide. Ça marche pas trop, quoi. Personne qui répare. Et en parlant de réparer... Faut quand même, on va quand même faire un petit tour des moteurs, voir où ça en est. Là, ça a à peine commencé. Là-bas, il se passe des trucs.
Hop. On clear un peu la map des palettes qui sont déjà tombées. Je sais pas ce qu'ils sont en train de foutre là-bas. Ils font beaucoup de bruit. Qu'est-ce qui se passe ici? Plus personne. Ouais. On va retourner là-bas. Normalement, ils sont tous sur le moteur juste en face. Voilà. Je vais aller à droite, comme ça elle sera vraiment... elle n'aura aucune échappatoire. Je pense qu'elle est morte, elle. Je crois qu'elle est en P3. Ah, ils ont réparé un truc en douce, c'est pas grave. Un moteur pour un mort, c'est largement worse pour moi. Je vois toujours personne. Oh, bah dis donc. Tiens, toi, on va te poursuivre un peu, toi. Alors. Mais l'autre, elle est retournée réparer aussi. On va faire ça, dis donc. Et dis donc, je suis pas trop d'accord. Réparer les moteurs, c'est pas cool, ok? Moi, je suis pour la nature. Hein. Et la nature, hein, dans la nature, il n'y a pas de moteur, quoi. Hein. Oh! Bah. Non? Qu'est-ce que c'est? Ok. Non? Par contre, là. Là, il y a quelqu'un. Salut! Je veux juste te blesser. C'est un pari sur l'avenir. Voire même t'abattre. Ok. L'autre a été relevé du coup. Ça fait qu'ils sont tous blessés. Si je la mets à terre. C'est ok. Ils vont perdre beaucoup de temps à se soigner. Ils n'ont pas vraiment le choix. Il y a un effet d'estropiement sur eux. On théorise le massacre méthodique. Est-ce que vous trouvez pas ça magnifique? Moi, je trouve ça vraiment très beau. Ça me met la larme à l'œil. Du coup, ils étaient les deux ensemble. Plus vers ma gauche, mais je fais un petit tour vite fait des moteurs pour mettre un petit effet de surveillance. Histoire d'être sûr. Ah, ils ont quand même rushé le moteur. Ouais, c'est qu'ils avancent. Faut que je protège le moteur du milieu. Là, elle va retourner sur la save. Je te vois, meuf. Oh. Quoi? Oh non, t'es sérieuse? Il se rattrape, il se rattrape. Il faut pas les sous-estimer. Bah oui. Évidemment. Merci. La petite grenade useless. Ok, alors. Quoi? Bon, je quitte au dernier moment, mais ça sert à quoi? À quoi ça sert? Ok, ok, ok. Donc. Là, on pourrait la slug.
Et dans une logique de tryhard, c'est ce qu'il faut faire. On la slug, on trouve l'autre. Voire même, on l'utilise comme appât. Afin qu'elle se fasse relever. Si ça se trouve, l'autre est sur un moteur, j'en ai aucune idée. En tout cas, pas sur celui du milieu qui était assez avancé. On a encore l'info dessus. Ah, là, ça a bossé un petit peu. Les effets de surveillance, ça va être intéressant. Ok, ok. Donc là, normalement, elle va aller la relever. Pas que je baisse ma vigilance, hein. Ils ont failli comeback. Hein. Ça s'est joué à pas grand-chose. Sur un moteur qui était quand même assez avancé au mid, au milieu de la map. Ok, donc toi t'es là-bas. Le truc c'est que je sais pas si elle est en P3 ou en P2. Si elle est en P3... Tu me diras si elle est en P3? Ouais, mais sur cette map, j'aime pas trop jouer. Ok, elle l'a relevé. Elle l'a relevé. Vraiment que je retienne où est la trappe. Oh oh oh. Je vous ai vu. Eh oui. Voilà. Maintenant, les deux sont blessés. Parfait. Ouf. Le pixel. Le pixel de la fenêtre. Ah, et là, ça va être compliqué pour toi. Tes options sont très minces. Vas-y, reste à couvert, hein, j'arrive. Hein. Je me rapproche. Hein. Ah, t'as continué. Ah. Alors, par où t'es passé? T'es passé par là. Tu repasses au milieu de la map. Passer à droite. Tu cours bien. Tu vas relever ta pote. Bon, maintenant on est un peu plus proche. On va pouvoir y arriver. Et si possible sur une hachette. Ouais, voilà. Bah, c'est pas du jeu, au corps à corps. Hein. Quoique, je suis encore capable de louper une hachette au corps à corps quand même. Bon. Bah voilà, déjà une game plus correcte. Oh, faut vite. Oh putain. Elle est où? Merde. Elle est où? Vite, j'arrive. Ne meurs pas. Ouf. Elle était vraiment sur le point de se vider de son sang, quoi. Ça aurait été gâcher une âme pour l'entité, vous vous rendez compte? Jamais j'aurais pu me le pardonner. Jamais. Elle était où l'autre? C'était par là, effectivement. Je pense que ce crochet sera parfait. Et on va aller fermer la trappe histoire de gagner un maximum de points parce que c'est ça ce jeu, c'est gagner des points. C'est vraiment l'essence de Dead by Daylight, c'est le farming de points, pas du tout. Mais bon, quand on veut le rang 1, hein, il faut faire ce qu'il faut pour l'obtenir. Hein. Oh, impitoyable, ça veut dire deux petits échelons de passé. Full médaille irisée. Et mine de rien, on l'aura pas volé cette victoire parce que il jouait pas trop mal. Genre vraiment pas trop mal. Il faisait des trucs un peu bizarres en équipe au début. C'était assez drôle le début dans la cave, mais en vrai, ils étaient pas dégueux. Hein.
Et si jamais ils avaient réussi à m'échapper, à se regrouper, à se soigner, à se réorganiser après le... c'était le décrochage de qui, je sais plus trop. Et quand il n'y avait plus qu'un seul moteur et qu'ils avaient décroché le dernier et que l'autre avait fini le deuxième moteur, enfin leur quatrième moteur, à ce moment-là, la game aurait pu m'échapper. Hein. Mais nous avons maintenu la pression et nous avons honoré l'entité.